Hello les amis Survivors, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la suite dans ce troisième épisode de Final Fantasy VII Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a parcouru les mines de Mithril, on a affronté un golem de Mithril très très puissant et ensuite on est arrivé dans cette gigantesque région de Junon qu'on a bien exploré. D'ailleurs, on a découvert toutes les tours, on a fait quelques activités, etc. Donc franchement, c'était très très sympa, mais il est temps de repartir sur la trace de Sephiroth et de suivre les manteaux noirs. On va donc se rendre sous Junon, c'est le nom de la petite ville qui se situe, comme son nom l'indique, sous Junon. Et j'ai très hâte, puisque si vous vous souvenez bien, on avait fait à la toute fin de la deuxième démo que Square Enix avait partagé, cette petite partie-là. Et ça va se passer là dans quelques instants. On va retrouver un de mes personnages préférés de Final Fantasy. Et on va combattre un boss qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Et après ça, ça va être que du nouveau, totalement exclusif. On va vraiment tout découvrir puisque c'était la fin de la démo. Et on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Donc les amis, j'espère que ça va être très très cool. Je suis revenu un petit peu en arrière sur mes pas, puisque avec toutes les activités qu'on a fait dans l'épisode précédent, j'ai gagné quelques points d'aptitude. Donc on va aller les assigner, on va aller regarder ça, et puis on va surtout se reposer, puisque je crois que j'ai pas tous mes PM et tous mes PP. Donc voilà, on fait un petit repos, sachant ce qui nous attend. Ça va être plutôt utile. En tout cas, merci d'être présent, merci d'être aussi nombreux à regarder les épisodes, ça fait plaisir. Mettez un petit like, hein, c'est important. Un petit commentaire pour soutenir les épisodes. Allez, on y va. Donc, le codex. Oh, et ça commence fort. Disponible. Niveau d'arme numéro... Niveau 3. Et le codex niveau 3. Mais ça, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enchaînement enflammé. Effectue une attaque magique de feu sans consommer de PM. Ok. Ensuite, on a soldat vindicatif. Augmente de 10% les dégâts des ripostes en mode bravoure. Ok. On a taillade dynamique ou tranchant magique. Accumule des forces maintenant... en maintenant la touche appuyée et effectue une puissante attaque avec un équipier en la relâchant. Qu'est-ce qu'on a ici? Augmente de 3% les dégâts des attaques normales, mais ça me parle carrément. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Augmente encore de 3%. Donc les deux là cumulés, on sera déjà à 6%. Parfait. Je pense que pour Cloud, on est bon. Accélère la recharge d'énergie de grosse décharge. Ok. Augmente de 10% la quantité. Très bien. Donc on va peut-être déjà partir par là. Barret et Tifa unissent leurs forces pour effectuer une attaque percutante. Alors ça que j'aime bien l'équipe Tifa, Barret et Cloud. Donc on va commencer par là. Ensuite on a quoi? Cloud et Barret augmentent ensemble leur capacité de concentration. Ok. Allez, on continue. Niveau 3 d'armes pour Tifa. Ok, de nouveau noyaux d'aptitude sont dispo. Alors, dérobade percutante. Fait une esquive et effectue une riposte avec un équipier. Ok. Ou alors on a ce côté-là. Tifa et Eris augmentent ensemble leur capacité de concentration, d'accord. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Voilà. Vous avez acquis dérobade percutante, magnifique. Ensuite, on a notre cher ami Red 13. Ok, donc là c'est fait une esquive. Qu'est-ce qu'on a ici? Effectue une attaque magique de vent sans consommer de PM. Ou alors on a Cloud et Red 13 laissent leur ardeur s'enflammer et effectuent une attaque féroce. Ah, c'est pas mal ça aussi. J'hésite. Je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci. Cloud et Red. Voilà. Ensuite, Iris. Niveau d'arme 3 disponible. Ondes enflammées. Effectue une attaque magique de feu sans consommer de PM. D'accord. Alors, on est où avec Iris? Ok, on peut prendre ça peut-être. Prolonge de 25% le temps de présence du famier magique. Ça, c'est cool. Bon, après, Iris, pour l'instant, je l'ai pas trop encore choisi. La pauvre. Mais bon. Eh ben, écoutez, je crois qu'on est bon. On va peut-être regarder quand même dans la boutique. On a 19 potions. On va peut-être acheter quelques super potions. Voilà. Ensuite, au niveau des matérias. Bon, écoutez, je pense qu'on est bien. Hein. Pour le moment, on est plutôt pas mal. Au pire, je peux toujours faire de la synthèse. On va regarder si maintenant je peux faire des synthèses de super potions. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Je vais... voilà, je vais en faire deux en plus. Magnifique. Protège-bras de marin plus. Un protège-bras de marin amélioré. Qu'est-ce qu'il a, notre ami Barrett?
Ah ouais, donc ça serait bien que je lui améliore en fait. Donc je vais aller lui améliorer. Boum! Et voilà, 5 XP de synthèse en plus. Et on va passer au niveau 7 de synthèse dans encore 60 XP. Donc pour l'instant, on a le temps. Est-ce que du coup, il l'équipe directement? Ouais, c'est ça. Protège bras de marin plus. Magnifique. Sachant que maintenant, j'ai PC augmenté. Associé à foudre aussi, ça c'est cool. Donc normalement, sa matière à foudre, elle devrait augmenter rapidement. Allez, on repart du coup, direction sous Junon. Pour un combat féroce, vous allez voir. Et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Alors là, on passe devant un trésor, mais bon. On va essayer d'avancer dans la quête principale dans cet épisode. On est au début du chapitre... Waouh, il va tellement vite des fois le chocobo, je me prends des murs. On est au tout début du chapitre 4. Oh là, j'arrive pas à avancer, c'est infernal. Des fois il va... Bon bah voilà, bah, comme ça je me prends un combat direct. Histoire de se mettre en jambes, j'aurais voulu avoir tous mes PV. Mais bon, c'est pas grave, on va se mettre en bravoure. Ça devrait aller vite contre des petits ronticules. Ou pas. Allez, hop. Voilà. Oh bah voilà, bah c'est parfait. Barrette a pris un niveau, Red 13 aussi. On sera d'autant plus en forme pour le combat qui nous attend. On a intérêt à bien se cramponner. Hein. On va voir d'ailleurs s'il est aussi difficile que dans la démo. Et en tout cas, c'est parti. C'est par là. La remise des pêcheurs. Et je sais pas pour vous, mais j'ai cette musique dans la tête depuis que j'ai commencé le jeu. C'est un truc de fou. Toute la journée, elle passe en boucle dans ma tête. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette ville. Incroyable. Sous Junon, voilà. Ils ont le droit de vivre en dessous. C'est bien. Merci la Chinoise. Tac. Attendez un peu. Bienvenue à Sous Junon, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Randa. Je suis le maire et la chef de la milice. Avalanche, hein? Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Hmm. 500 000 la prime. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Hein? Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi? T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il n'y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait deux hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. C'est pas notre genre, franchement.
Mettre la pagaille là où on arrive? Non, jamais. Sympa ce petit village de pêcheurs. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On dirait que les manteaux noirs sont pas ici. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que deux options. Par la mer ou par la voie des airs. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge? Ouais, faisons ça. Allons-y. Alors là, les amis, je suis très surpris parce que si vous avez vu la démo et que vous voulez regarder l'épisode avec moi, vous savez que ça s'est pas du tout passé comme ça normalement quand on arrive à Junon. Ces vénérables bâtisses burinées par les embruns. C'est pas ça qui se passe, c'est assez intéressant. Trop mûrs dans l'écorce. Bien le bonjour. Bonjour monsieur. Ce genre de paysage vous inspire vous aussi? Je m'appelle Snaps. Snaps. Je suis un membre du Photoclub, une association d'amateurs de photographie en quête de belles images. Puis-je prendre un cliché de vous en souvenir de notre rencontre? Oh, il a pris la pose. Je rêve. Je crois que je vais l'encadrer. Vous savez comment poser devant un objectif. Et vous semblez avoir pas mal bourlingué. Pour tout vous dire, il y a un coin très photogénique non loin d'ici, paraît-il. Mais le chemin qui y mène est bien trop dangereux pour moi. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous essayer de le trouver et d'y prendre une photo à ma place? Une fois arrivé sur place, essayez d'observer le paysage qui s'étend devant vous en vous mettant dans la peau d'un photographe averti. Ok. Lieu photogénique, une nouvelle activité. D'accord. Donc il y a aussi des photos. Oh, il est magnifique ce magasin. Librairie Magnata, tiens. Comme à Calme. Bienvenue. Vous voulez devenir plus fort? Évidemment. Ok, donc là on retombe sur le même menu. J'espère que ça vous conviendra. Là. Autrefois, on pouvait voir sur cette mer la capitale de la République de Junon. Elle était bâtie sur de grands navires reliés entre eux. Une formidable ville flottante. Du temps de la République de Junon. Les trois personnes qui sont montées. Ça me fait vraiment marrer comment ils m'ont bien eu là sur le fait que ce qui allait se passer. Une boutique d'objets. Quincaillerie. Oh, un client. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, qu'est-ce qu'elle nous vend? Des potions, des super potions. Elle nous vend également des cartes. PV augmenté, chance augmentée, expertise des objets. Augmente de 30% l'effet des objets en combat. D'accord. Garde précise renforcée. Ok. Bon, pour l'instant, n'hésitez, j'ai rien acheté de spécial. En oh, Chadley! Comment vas-tu? Tiens, vous êtes aussi de passage à Sous-Junon, Cloud? Une ville où le soleil ne brille jamais, caché dans l'ombre d'une autre. Au moins, nous ne risquons pas de nous sentir dépaysés. C'est vrai que ça... On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un voyage, alors soyez... Ça rappelle fortement Midgar. Ah, une boutique d'armes, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va peut-être changer d'épée? Bienvenue, matelot. Bonjour. Alors, Army Elephant Dunk, bracelet barbare, sabre somptueux, je l'ai déjà. Gros calibre, je l'ai déjà. Gant de Sylphite, je l'ai déjà. Ok, bah en fait, j'ai tout ce qui est intéressant déjà. Revenez faire escale quand vous voulez. Petite moto là, sympa. Je recherche un... Ah, écoutez, on a l'air d'être bien équipé dans ce cas-là. Hein. Je vois qu'il y a des escaliers ici qui montent. Salut Aeris. Il paraît que la Shinra prépare un événement important dans la ville, là-haut. Ah. Ça m'intrigue. J'avoue, c'est bizarre. C'est un village de pêcheurs ici. Alors évidemment, ils ont beaucoup de bateaux. Sauf que les habitants ont apparemment reçu l'interdiction de s'en servir et d'aller pêcher. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour nous de leur emprunter un de ces bateaux. On risquerait de leur attirer des ennuis. Reposez-vous à l'auberge après avoir réuni assez d'informations. Bah je crois que c'est bon. On a une taverne ici. Et regardez la petite tête au-dessus de Tifa. Elle a une petite tête violette contente. L'ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut. Ah ouais. Et là, on ne peut pas. On nous empêche de passer.
Ouais, deux tanks comme ça, on peut se les faire facilement, franchement. Bon, ça risque fortement d'attirer l'attention. Là, on a un tableau de quête. Une voie subsistante. Le chariot à chocobo que j'utilise pour mon service de livraison est hors d'usage. J'aurais peut-être le réparer, mais je n'ai pas la pièce nécessaire. Je sais pas si je l'accepte, parce qu'après, je suis obligé de la faire direct, je suis pas sûr. J'ai vaincu tous les joueurs de cartes de cette région. Eh, regardez, j'avais même pas vu. C'est gigantesque, qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est un poisson géant. Ah, c'est un poisson, ouais, effectivement, qui est suspendu. Je pense qu'on a réuni toutes les informations qu'il faut. On va aller se reposer à l'auberge. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes seul? Au secours! S'il vous plaît! Ah. D'accord, je comprends mieux. Venez vite. C'est maintenant que ça se passe. S'il vous plaît, je devine à votre épée que vous savez vous battre. Oui. C'est Priscilla, une jeune fille du village. Allez lui porter secours, je vous en supplie. Ok, très bien. Priscilla, allez-y. Tu as besoin d'aide? Faites vite. Qu'est-ce qui se passe? Une des parcs est en train d'arriver. C'est par ici. Venez vite. Vous croyez que c'est vous? S'il vous plaît. Mais qui voit les amis, notre ami Yuffie, j'aime tellement ce personnage. La pauvre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les terreurs des réacteurs. Butez-moi ce machin. Perdons pas de temps. Attaquons-le. Les terreurs des réacteurs. On va la tirer. Ok. Allez, c'est parti! Waouh! Garde ton sang-froid! Ouais! Laisse-moi faire! T'en veux encore? Allez, 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 les grosses décharges! Oula! Ok, super! Je m'en occupe! Allez, je fais. Ça me va. Je vais repartir avec Barrett. Aucun problème! De ta face! Foudre plus. Wow, faiblesse. Ah, j'étais même dans une bulle d'eau, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça. Ça, c'est trop chiant. Aïe aïe aïe, mais il fait trop mal, je confirme qu'il fait trop mal toujours. Autant que dans la démo. Essayons la magie. Il faut que je lui. Allez, allez. Barrette, 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 barrette. Oh, j'arrive même pas à le faire sortir de sa bulle. Et j'ai déjà plus de vie, c'est incroyable. Il fait tellement mal. Aïe 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 aïe. Allez. Va falloir commencer à se soigner déjà là, Cloud. Aïe aïe aïe. Hop les. C'est pas moi. J'arrive. Ça va chauffer. Je compte sur toi. Oh là là, ça y est, il est J'arrive. Encore dans la bulle, ça c'est horrible. Mince. Essayons la magie. Ok,
Allez, faut que je sorte de là. Essayons la magie. Oula, c'est qui est déjà dans le rouge? C'est déjà notre ami Tifa. On est tous un peu dans le rouge en fait. Je vais essayer d'utiliser un objet, une petite brumier potion, je sais pas trop. Mix potion, super potion, brumier potion. Allez. Voilà. Cloud aussi, il faudrait qu'il mette une petite brumier potion là sur tout le monde. Allez, lâche-la. Voilà, c'est bon, il l'a lâché. Allez, on va le mettre en choc, c'est bon. Il est en choc. On va se mettre en... Ah, je suis avec... Oula. Vite. Allez. Oulala, ça y est, il passe en phase 2. Je suis assez concentré sur ce combat parce que... Je sais à quel point il peut être dur. Ah ouais, son attaque tornade là. Oh là là, vite, faut pas se faire aspirer là-dedans. Il y a l'invocation qui est en train de monter. Donc je pense que je vais appeler Ramu, ça serait très bien. Allez. Compétence synchronisée, non. Invocation. Ramu qui est là, moi il me faudrait. Ah ouais. Ouais, Ramu, hein. Ramu serait parfait. Je vais faire un soin, je pense, avec Barrette. Je vais soigner Barrette. Petit sort de soin sur lui-même. Allez, bim. Oula. Il m'a mis en... Il m'a mis dans la bulle. Faut mieux utiliser la magie. Allez, faut me sortir de la bulle là. Oh là là. Ah, je me prends les... Je me prends ces geysers d'eau là, c'est horrible. Faut mieux utiliser la magie. C'est bon. Il est où? Il est où le poisson? Il est là. Allez, foudre plus. Boum. Foudre punitive. Oh, il a encore mis dans la bulle, c'est trop chiant. Ah non, Barrette, il va mourir. Barrette. Qu'est-ce que je fous là? Merde. Faut mieux utiliser la magie. Allez, soigne-toi vite. Attends, il y a une transcendance, bombe grenade. Ouais, vas-y. Il a sauté dans les airs. Barrette a 62 PV, hein, donc c'est chaud. Faut que je le soigne absolument. J'ai plusieurs barres d'AP des plaines là. Oh oui! Allez, vite, sort. Soin. Oh, j'ai eu chaud de ouf! Sort. Non. Un petit objet de super potion pour Barrette. Faut que je me soigne encore. Ah, compétence synchronisée. Avalanche offensive. Terreur des abysses. C'est parti. Tifa et Barrette ensemble. Ah oui. C'est pas fini. Oh, c'est beau ça. Allez, Tifa. Magnifique. Attaque synchronisée avec Cloud. Ça a très bien marché. Un brave. Il est mort. Magnifique du premier coup. Direct. Beaucoup plus simple que la première fois. Hein. Après, je le connaissais. Et à partir de maintenant, les amis, ça va être que de la découverte. Ah, c'est bon ça. Ça, il respire pas. Youfi, tu vas pas me faire ça, hein. Il n'arriverait pas à temps.
Il y a la mère de la ville qui est en train de lui faire des... un massage cardiaque là. Ça m'inquiète. Waouh. Pas de blague hein. Il faut essayer de la faire respirer. Toi là-bas, viens m'aider. Il lui faut un massage cardiaque. Je m'en charge. Allez, à ton tour. C'est des gens de la faction. De la faction ? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. C'était une scène dans le DLC. Rassure-toi, ces gens sont mes invités. Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve. Oh, vraiment ? Désolée. Je sais pas quoi vous dire. Quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi. Bon, Yuffie, je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant. Ouais, d'accord. Merci, à plus. C'est la meilleure. Merci, à plus. Je t'en foutrais, toi. C'est pas pour dire, mais les jeunes et la politesse de nos jours, franchement. Allons, allons. C'était qui ? Une invitée, elle aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus. Incroyable les gars, Yuffie est juste là. Non mais il faut qu'elle rejoigne l'équipe, c'est pas possible. Je veux jouer avec Yuffie. Je pense qu'elle est partie se reposer à l'auberge. La mer a quelque chose de différent. On va... Ah, oula, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court comme un ninja Naruto Run. Au fait les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche ? Comment tu sais ça, toi ? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Dites, on pourrait se voir plus tard ? J'ai un service à vous demander. Et puis, je dois encore vous remercier, hein ? Dans ce cas, t'as qu'à... venir à l'auberge demain. Génial ! Bon ben, à plus. Chut. Chut, elle part comme ça. Trop forte. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. C'est... Allez, alors je vais... je vais d'abord me reposer, on sait jamais, puisqu'on a quand même pris un petit peu cher, hein, mine de rien. Mais finalement, le combat, il m'a paru vraiment plus facile que la première fois. Alors, est-ce que j'étais plus expérimenté ? Est-ce qu'on avait plus de... peut-être qu'on avait aussi plus de... ah, de compétences, de PV, etc. On était peut-être un niveau supérieur aussi, hein. Oh, nos chers héros, je suis content de vous voir. On m'a raconté vos exploits sur la plage. Je vous remercie infiniment. Rhonda m'a tout expliqué, et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis. Bien. Laissez-moi voir ça. Il vous faut 4 chambres, n'est-ce pas ? Ah ! Nous allons plutôt en prendre 5. Comme il vous plaira. Ah, ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Bon, je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez bien. Croyez-moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients. Ah ouais, d'accord. Les 5, enfin 4 plus un chien. C'est déjà beaucoup apparemment. J'ai essayé de résister de toutes mes forces. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés. À qui elle parle ?
Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de fileur. En tout cas, on ne les voit plus. Oh. Cloud ! Tu parlais avec qui ? Oh. C'était Red ? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais ? Bah, c'est gentil. C'était pas la voix de Red ? Tu dois être fatigué. Quoi ? Tu devrais te reposer. Alors déjà, il y a un coffre violet à l'intérieur, donc j'aimerais bien... J'aimerais bien aller le chercher, s'il te plaît. Mais on est d'accord que c'était pas la voix de Rel, là. Elle nous mitonne. Un bâton d'impératrice, c'est pour Aerys, justement. Équipement et matéria, Aerys. Un bâton historique qui avait été autrefois offert à une impératrice. Crée un sceau magique renforçant les attaques normales d'Aerys et annulant les dégâts subis par elle et ses équipiers lors du lancement des sorts. Ah, c'est pas mal. Attaque magique, moins 18 par contre. Donc, ouais, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Pour le moment, je vais rester comme ça. Ça fait pas si longtemps qu'on a quitté Midgar. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé au bout du monde. Ouais. Je me demandais si ma mère et Marlène allaient bien. Tu voudrais rentrer ? On doit continuer à poursuivre Sephiroth. Ouais. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés ? Évidemment. C'était pas à l'église. Tu voulais me vendre une fleur. Oui, tu voulais me vendre une fleur. Je te l'ai offerte, je te rappelle. Cette fleur, je l'ai vue dans un vase au 7e ciel. Et à mon avis, c'est Tifa qui l'a mise là. Ah, elle nous a grillé. Ah, c'est possible, ouais. Quand on reçoit un cadeau d'une fille, c'est peut-être pas une très bonne idée de l'offrir à une autre fille. Ouais. On va dire que c'est oublié, pour cette fois. Je me souviens à la fin de Remake, elle lui dit « Cloud, surtout, ne tombe pas amoureuse de moi, s'il te plaît. » Comme si elle voulait pas le blesser, tu vois. Entre. On va parler au personnage, comme ça on va améliorer nos liens d'affinité avec eux. L'odeur de la marée est vraiment très forte ici. Ça trouble mon odorat. Je risque de ne pas sentir la Shinra arriver. Je comptais pas dessus, de toute façon c'est embêtant ça. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai la truffe qui gratte, c'est très désagréable. Non, je suis pas sûr d'avoir donné la bonne réponse. Ok, où sont les chambres des autres ? À l'étage, probablement. Ah ouais. Ah, Cloud. Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser pour calme. J'ai douté de toi, j'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis, tu te souviens d'Emilio ? De Nibelheim ? La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Hein ? Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Merde. Je l'ai gêné, je crois. Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis, il avait pas mal changé. Ah ouais ? Et tu sais quoi ? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner.
Pas trop. Mais bon. Oh mince. Continue, je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont plus sur la même longueur d'onde les deux là. Enfin, si. Peut-être un peu quand même. Ah, c'est pour voir s'il se rappelait. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Ouais, ça serait bien, je pense. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Cloud. Alors entre les deux, ça fait de la peine, hein. Ils sont amis d'enfance quand même, et là tu sens qu'ils ont du mal à s'entendre. C'est compliqué. Il reste la chambre de Barrett, je crois, attends. Oh, petit balcon, stylé. Attends, avant d'aller dans l'autre chambre, je sais pas si je peux aller peut-être... Eh, déjà il y a une matéria ici. Qui a laissé une matéria posée sur le sol comme ça? Foudre. Merci. Ah, il y a une autre petite tête contente en bas, je crois que c'est Aerys. Un repos bien mérité. Attends, j'aurais voulu voir peut-être Barrett, je sais pas où il est. Là c'est Tifa, j'ai loupé la chambre de Barrett je pense. C'est qui là? Red 13. Là c'est Aerys. Y'a personne là-dedans, ça doit être la chambre de Barrett peut-être. Ah je sais pas. Ou alors là. Ah, c'est là. Monsieur Barrett. La gamine bonjour. De tout à l'heure, là, Yuffie. Elle voudrait nous demander un service. C'est quoi, ton avis? Ton autographe rejoint Avalanche. Rejoint Avalanche. Elle veut peut-être rejoindre Avalanche. J'en suis sûr. En réalité, on aurait besoin de toute l'aide qu'on nous offre, mais bon. On n'a pas vraiment le temps de faire du babysitting, là. Va falloir qu'on s'en débarrasse gentiment. Alors là je suis pas d'accord. Mais alors là Barrett, toi et moi on va pas être d'accord du tout. Yuffie a entièrement sa place au sein de notre équipe. Et elle peut même, elle pourrait même prendre ta place même. Donc fais attention. On rigole pas avec Yuffie les gars. Allez, il est temps de dormir. On a fait un long voyage. Les prairies, les mines, la région de Junon. Alors faisons un bon dodo avant de repartir. Ah, il a faim. Ah, il pense à ce qu'il a dit à Tifa. T'es sérieux? Le matin suivant. Débarquement dans la chambre de Cloud. Ok. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de matéria. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. Chut. T'es du Wutai? Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors? Ça vous tente de faire équipe? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non? Désolé, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, nous. C'est des préjugés!
Mais cette fois, c'est peut-être vrai, en fait. Quoi encore? C'est une folle. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guilds dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible ? Alors, vous devinez ? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Bah tiens, sans blague. Ronda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi? Non. Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer alors? Mais non. Pour ce qui est d'aller en haut, oh, bah lui. Vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec ma moto. Tu m'as bien compris, mon ami? C'est qui? Mieux vaut pas rester ici. Bon allez, sortons. Ouais. Manquez plus que lui, les gars. Il m'avait pas manqué, celui-là. Je vais devoir lui remettre une bonne raclée. Mon cher ami, la mission. Oui, oui. Tu n'attends rien pour attendre, mon ami. Vous êtes prêts, les gars? Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre? Dépêche-toi, mon ami! Ah, te voilà enfin, mon cher ami. Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aeris. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Moi? Et tu t'es pointé seul? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami! Il me gonfle déjà, ton pote, là. Pareil. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire? C'est pourtant bien toi qui nous a dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient cet argent? 5000 guilds. C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemis de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclé, hein? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est que Yuffie réussisse. C'est fou de se dire que Yuffie... C'est que Yuffie risque d'assassiner quand même le fils du président Rufus. Il est quand même bien balèze, hein, Rufus. Hein. On avait eu l'occasion de l'affronter sur le toit de la tour Shinra. C'est chaud quand même.
Felicity là. L'ami des dauphins, est-ce que je vois? Qu'est-ce qui vous amène ici? On veut aller en haut. Yuffie nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi. D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut. Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre, si on veut abaisser le bateau. Les autres n'auront qu'à monter dedans, et l'utiliser comme un ascenseur. Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle. Courant à haute tension? Oui, c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus. On est coincé alors? C'est là qu'intervient mon dauphin. Croyez-moi, il est vraiment génial. Par exemple... Ah, je sais! Je vais vous raconter comment on est devenus amis, lui et moi. Alors en fait, un jour où je nageais dans la mer, tout à coup, j'ai entendu des petits couinements. Je suis désolé, mais on est pressé. Oh. Excuse-nous, Priscilla. On reviendra ici après avoir terminé. Et alors à ce moment-là, on écoutera ton histoire. Oui, voilà, on fera ça. D'accord, tu me promets? Allez. Tu l'as jamais fait? Hop, hop. Et comme ça. Ah, j'ai compris. Parfait. Et alors, on fait comment? Il faut sauter en utilisant la force du dauphin. Et comme ça, on arrive tout en haut. Ah ouais. Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut? Allez le mercenaire, on compte sur toi. Évidemment. À moi l'honneur. Dans ce cas, tu n'as qu'à me faire signe quand tu seras prêt. Eh ben on y va, écoute, hein. J'ai hâte de faire un bond de dauphin. Hop là. Suivez le dauphin, c'est parti. Et j'ai hâte de voir ça. Bon, apparemment on pourra pas revenir ici avant quelques temps. Donc ça risque de vous emmener... sur les hauteurs à Junonville. Oh! Je crois qu'il a lancé un petit ballon avec son nez, trop mignon. Alors, frappez les ballons de plage pour motiver le dauphin et lui faire gagner de la vitesse. Mais veillez à éviter les obstacles qui vous ralentiront. Si vous allez assez vite en atteignant le point d'arrivée, le dauphin réussira son saut et Cloud atteindra le poste de contrôle. D'accord. Allez, c'est parti. Waouh! Accrochez-vous au dauphin. C'est quoi ce délire? Allez, c'est parti. Wow. Ok. Ça, c'est la vitesse. 60, ok. Ok. Gain de vitesse, d'accord. Ah oui, je prends des gains de vitesse à chaque fois que je prends des ballons. Ouh. Là. Ok. Oh oh. Ok. Yeeha! Oh, j'ai raté des ballons, j'ai raté des ballons. Là. Ok. Oh, la vitesse! C'est chaud là. Waouh! Ok. Ça va, on a le temps, on a le temps. Allez, vas-y. Oh oui! C'est bon, je crois. Oh! Parfait. Ouais. Magnifique. Joli. C'est un délire ce truc. Bon bah le dauphin nous a expulsé tout en haut de la tour. Merci dauphin. Le poste de contrôle. Contrôler la grue. Là on est en train d'abaisser l'immense paquebot. Mais il est gigantesque. Je comprends pas encore comment il va nous aider à nous rendre au-dessus, sachant qu'on le fait descendre. Alors on arrive jusqu'en bas. Bien,
Montez tous dans cette barque. Mon dauphin va se charger de vous tirer jusqu'au bateau. J'espère que ce truc ne va pas couler. Départ. Allez, et cette fois-ci on fait remonter le bateau, ok. Remonter le bateau jusqu'à Junon, ok. Ah, donc là on est au niveau de Junon en fait, ok. Il doit peut-être y avoir encore quelques escaliers, mais on devrait pas être très loin finalement. On se retrouve en... Ah non, ça monte encore, ok. Eh, tu vas faire comment toi? C'est impressionnant. Cet endroit me rappelle un truc. Dans Crisis Core. Hey les gars. Saluez ! Il m'a pas manqué lui hein. Ni Rufus d'ailleurs. Aéroport de Junon, niveau inférieur, poste de contrôle de la grue. Rejoignez vos camarades. Ouais, cet endroit me rappelle fortement, dans Crisis Core, l'endroit où il y avait eu Sephiroth, Angel et Genesis. Qui se sont fight à cet endroit-là. Je crois que c'était là. C'était une cinématique sublime d'ailleurs. Ah, bah ils sont déjà là. Ah, le voilà. Allons là-haut. C'est parti. Vous avez vu tous les gardes n'empêchent de la Shinra, c'était abusé. Alors, on a un petit coffre ici. Super Eater. C'est parti. Je suis gonflé à bloc pour la parade. Ok, ils ont pas l'air d'être gênés que des gens d'Avalanche soient là. Continue. Garde qu'on le croyait. Peut-être qu'il répète la parade ? Ha ! C'est-y pour le sens des priorités à ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que ça joue en notre faveur. En revanche, c'est immense. On va avoir du mal à trouver les manteaux noirs. Il n'y en a pas ici, en tout cas. Allons voir en ville. Pour l'honneur de Junon, il faut à tout prix que cette cérémonie soit une réussite. Et Junon, ça doit être une ville vraiment balèze. Hein. L'aéroport, waouh, c'est sublime.
Cloud, c'est quoi ce vaisseau? Le High Wind. Le fleuron de l'aéronautique de la Shinra. Un des vaisseaux les plus rapides qui soit. Oublions le bateau. On va plutôt prendre ça. Il n'y a que très peu de pilotes qui sont capables de manipuler un tel engin. Et il faut aussi un équipage. Dommage. Ça aurait été parfait. Allons en ville chercher un bateau. Ah ouais, c'est une dinguerie, les gars. Comment c'est stylé. Waouh. Ah ouais, c'est impressionnant. Franchement. Oh, regardez-moi tous ces gardes. Mieux vaut ne pas s'approcher davantage. Ah ouais, non, mais je voulais trop m'approcher. C'est un truc de fou. C'est juste trop beau ce qu'ils ont fait là. Peut-être ? La ville se trouve en dessous. Prenez l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Il faut qu'on prépare la réception pour les unités de Midgar. Il faut qu'on fasse bonne impression. Ils sont équipés. J'ai tellement de trac que j'ai pas pu dormir. Ils sont équipés de fou. En même temps, c'est la parade. Ils vont vraiment mettre le paquet pour impressionner tout le monde, quoi. Et t'as Yuffie qui veut juste tuer le gars, le président, quoi. Juste normal. Wow, on est à côté d'un avion. Compagnie Shinra, succursale de Junon. Ne faites rien. Laissez-les libres d'agir. Comme son père, il se pose pareil. Président. Un émissaire du gouverneur Saruf du Wutai est là, et il demande à vous parler. Son nom ? Le colonel Glenn Lodbrok, d'après ce qu'il dit. Très bien. Tu étais donc encore en vie ? Officiellement, je suis mort. C'est qui ce gars ? Je vais aller droit au but, président Rufus. Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Pouvons-nous compter sur toi pour le suivre ? C'est mon intention. C'est sur la question des méga-materia que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Ça devrait marcher quelque temps. Mais lorsque mon père a disparu, la situation a changé. Un nouveau plan est nécessaire. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps. Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse, la haine. Et de par ces émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète.
Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. Cependant... C'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Œuvrons ensemble pour la justice. Ah ! J'ai failli oublier. J'ai un message du gouverneur Saruf. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Longue prospérité à la Shinra. Aïe, 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 aïe. Il y a des différences qui se créent depuis que le président est mort. Son fils a repris la main. Son président, il avait l'air d'avoir... Enfin, le père avait l'air d'avoir un accord avec le Wutai. Évidemment, Rufus ne compte pas tenir cet accord. Nous protégerons le président Rufus au péril de notre vie. Forteresse capable de repousser les attaques navales. C'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui en fait pour la Shinra la cité la plus importante après Midgar. Ben dis donc, et y a des trucs bons à manger? Ou de jolis coins à voir? Je sais pas. D'accord, du cloud tout craché. Aerys, histoire que ce soit clair, t'as pas l'intention de faire du tourisme, hein? Bien sûr que non. Oh, regardez là-bas. Compagnie! Le prix présidentiel, c'est nous, la 7ème d'infanterie de Midgar, qui allons gagner. Vous allez montrer aux troupes qui sont en poste à Juno la supériorité de Midgar. Oui, chef. Sur ce, vous avez quartier libre jusqu'à la parade. Cela dit, vous feriez bien de répéter vos formations. Oui, chef. Eh vas-y donc. Juno, 3ème niveau. Passage vers Juno Sud. Quartier résidentiel. Allez, on arrive. Les gens tout à l'heure, ils se préparaient pour la parade? Sûrement, oui. Pour impressionner le nouveau patron. J'osais pas en parler pour pas vous embêter, mais... C'est plus fort que moi. De quoi? Rufus va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de pas en profiter, non? Hein? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses quatre vérités et lui mettre un bon gros bourre-pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turcs, ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme en moto a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis, moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président. C'est chaud quand même, là, ce qu'il propose. Il y aurait bien un moyen. Mmh. On prend d'assaut la parade. Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Y'a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Rufus. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement? Bien sûr. Mais oui, bonne idée. Ouais, pas mal. Red et Barrett, il faut vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous? Il va falloir porter des uniformes de la Shinra. Rien de plus adéquat. Oh, la ferme.
Je vais me préparer. Avant tout, je dois me trouver un uniforme. Et nous? Tu nous oublies? Nous aussi, on y va. Ça doit être par là. Ah, c'est reparti, les filles sont parties avec Cloud. Tu croyais que... Elles allaient te laisser tranquille, mon gars? À tous les gardes qui ne se sont pas encore changés, nous avons des uniformes prêts pour vous dans cette salle. Veuillez vous mettre en tenue au plus vite. Très bien, c'est parti. Reste oh là là. Aerys et Tifa en garde de la Shinra. Oh, pas mal vu de près. Bon, changeons-nous. Ouais. De trois pas. Trouver un uniforme, attention. Mais je vais où? Attends. Dis donc, Cloud, tu fais quoi là? Non, promis, je fais rien. Non, c'est pas moi. Cloud, tu peux faire le guet. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, pardon. Je recule. Alors, un uniforme. Là, il y a une petite boîte. Nostalgie de l'uniforme, bah oui. Ça faisait longtemps. Tu m'étonnes. Ça va faire bizarre de revoir Cloud en soldat comme ça là. Ça date de Crisis Core, quand il était avec Zack. Wouah. Main en l'air. Oh, trop bien. Alors ? Hein ? C'est parfait. C'est assez convaincant. Génial. Avec la grosse épée dans le dos. Il rend du feu ? Non. Il y a aussi la gestuelle et la façon de parler. Tâchez de faire exactement comme je fais. Halte là ! Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard. Mes excuses, chef. Mes excuses, chef. Bande d'imbéciles. Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous? Dépêchez-vous d'entrer. On va voir si vous impressionnez la commandante. Et appliquez-vous bien. Si jamais vous faites la moindre erreur, on vous donne en pâture un des béhémotes. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens encore assez bien des mouvements. Faites pareil que moi. C'est facile à dire. Arrêtez de bavarder. Émaignez-vous un peu le train. Oui. C'est quoi ces gestes? Garde à vous! On peut wow. dire que vous avez du toupet d'avoir manqué l'entraînement. J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade. Très bien. Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ. Si vous commettez la moindre erreur, je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbol. Compris? Oulala, attention les amis, attention, mouvement pour la parade. Entraînez-vous à effectuer les différents mouvements pour la parade. Appuyez correctement sur la touche indiquée à l'écran. Au bon moment, permettra à Cloud de transmettre son ardeur à ses compagnons d'armes afin de réaliser une bonne performance. Losange rouge, appuyez une fois sur la touche. Jaune, appuyez plusieurs fois sur la touche. D'accord. Bleu, maintient la touche. D'accord. Waouh. Vous êtes prêts, non? Dans ce cas, commencez. Ah, oh, cette débarque. Ok. Wow.
mais elles se débrouillent bien les filles là, dis donc. Allons, courage! Maintenir, maintenez. Ok. Continuez comme ça. Waouh. Appuyez plusieurs fois quand c'est jaune. Bon travail. Waouh. Combo de 11 pour l'instant. Excellent 9, 2 bien. Mauvais 0. Waouh. On s'est bien entraîné les gars. S'entraîner une fois de plus. Non, je pense que bon. Ah, c'est pas la vraie parade. Ah ouais, donc là, attention. Cette exécution à la fois précise et nette. Cet équilibre parfait. Elle doute, elle se dit mais... Dis-moi, où étais-tu caché tout ce temps? Oula. Que diriez-vous de lui confier la tête du peloton pendant la parade? Oh. Oh mon dieu. Félicitations. Je te promeux dès maintenant au grade de capitaine de la 7ème d'infanterie de Midgar. Oh. Nous te confions un rôle très important. Tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres. Oh mon dieu. L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules. Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur. Oui. C'est chaud. Nouveau casque. Avant le début de la parade, rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie. Bien qu'ils soient en permission, ils se déplacent sûrement groupés. Pour bien faire, il vous faut réunir au moins 5 unités. Ici, sur la manche de leur uniforme, ils ont tous l'écusson de la 7ème d'infanterie. Lorsque ce sera fait, conduisez-les au site de la parade à Junon Nord. Je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois. C'est bien compris ? Et maintenant au travail. Oui. Oui. Waouh. Oh, c'est chaud. En tant que capitaine pour la parade, il revient à Club de réunir les unités de la 7ème compagnie. Celle-ci profite actuellement d'une courte permission pour visiter la ville de Junon. A vous de les retrouver. Notez que les formations que vous pourrez exécuter lors de la parade dépendent du type d'unité que vous aurez rassemblé. Lorsque vous en avez retrouvé au moins 5, vous pourrez changer de formation comme bon vous semble. C'est une dinguerie. Aurais-tu du mal à trouver nos gardes? Certains sont probablement allés boire pour se motiver. Tu devrais aller jeter un œil dans les bars. Dépêche-toi donc de les rassembler. Oui, chef, chef. Allons-y, chef. Non, mais elle est folle, cette quête. On s'en est pas trop mal sortis. Dis, on pourra vraiment s'approcher de Rufus en étant dans la parade? C'est pas le plan. On vise le prix spécial. Normalement, c'est Rufus en personne qui devra le remettre. Oh! C'est osé, fallait y penser. Audacieux et très ingénieux. Allez, bon, bah on va commencer à rassembler les troupes. Avenue principale. Oh, je me rappelle de cette avenue. Waouh! Alors on doit réunir des gardes qui sont en ville? Ouais. Ceux de la 7ème d'infanterie de Midgar. Tous ceux qui portent ce brassard, c'est ça? Au boulot. Allez, go. Alors, il y a 10 unités à trouver. Enfin, on peut en trouver au moins 5. D'après le guide, la librairie... Putain, c'est gigantesque, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Très impressionnant, Junon. The Full Arsenal. Ils doivent vendre des épées ici. Armurerie Full Arsenal. Oh, capitaine, vous voulez acheter une nouvelle arme? Alors, qu'est-ce que ça vend? Sabre somptueux, gros calibre. Ok. Collier de rébellion. Ok. Donc rien d'incroyable. Army et les Fadunk.
Bonne chance pour la parade, capitaine. J'espère que vous gagnerez. Vraiment... La citadelle de Junon me déçoit pas. Tiens, regarde. Il y a vraiment toutes les armes qu'on veut ici. Oui, mais n'oublie pas pour quelle raison on est venu dans cette boutique. Bien sûr. Si on est ici, c'est pour la maquette originale du grand canon à Mako. Carrément. Ah, surtout c'est un canon à Mako. Qu'on peut acheter ce modèle. Ah, je rêve de pouvoir l'assembler depuis que je suis gamin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, t'es venu acheter une maquette du canon? Je suis ton capitaine, en fait. Regarde son casque. Oh, les mecs, ils sont pas doués. Capitaine, je vous demande pardon. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. À vos ordres, chef. T'achèteras ton canon, ta réplique plus tard, mon petit gars, là. Va bosser, là. Une unité vous a rejoint. Allez, hop. La 7ème d'infanterie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est rude. Qu'est-ce qu'il fait là? The Glab. C'est un bar? The Glabrescent Bar? Capitaine, on est à vos ordres! Oula! On est à vos ordres! Ah, putain, vous m'avez fait flipper, les gars! Attendez, on va aller voir dans ce bar là. Pourquoi Root vient d'aller dans le bar? Il a fait un. Le bar secret. Rude, vous pouvez leur expliquer? C'est votre première fois? Pour boire avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. Ah. C'est la règle qu'on suit tous ici. Je crois qu'il faut être chaud aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu. Me dites pas que... Vous vous laissez pousser les cheveux. Attendez! Vous vous adressez à notre capitaine. Capitaine, vous êtes ici dans un bar un peu particulier. On ne peut pas y garder son casque. Oh. La pause est terminée maintenant. Mais c'est un bar pour les chauves. Oui. Comme rude. Mais t'es sérieux? Attends, Rude, il a une secte secrète pour les chauves? Si vous voulez être des nôtres, vous devez le prouver en enlevant vos casques. Mais non. Non. Tu te sentiras plus aisé sans choix sur sa... Non, mais c'est... Ton crâne étincelant, mais c'est des ouf. Ouh, regardez. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. T'es barre de rire. Et on voit que les troupes sont de plus en plus nombreuses. Alors, item materia. La parade sera aussi retransmise à Midgar, pas vrai? Moi j'espère que les gens qui ont tout perdu reprendront courage en nous voyant défiler la tête haute. Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous, capitaine! Pour l'ensemble, mettez-vous en rang! Garde à vous! J'adore faire ça. La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! Mais comment il court? Une nouvelle unité de rangers, on en a trouvé 3 déjà. Quel produit recherchez-vous aujourd'hui? Alors ici ils vendent je crois des materia et des potions. Je vais acheter des super potions. Voilà. Queue de phénix, j'en ai 17, de l'éther j'en ai 5, je vais en racheter un petit peu aussi. Voilà. Et on va voir au niveau des materia. Nous ne proposons que des materia de la plus haute qualité. Ah bon? Alors soin, feu, ok, PV augmenté. Garde précise renforcée, prolonge le délai pour utiliser une garde précise, expertise des objets. Ça peut être pas mal pour Cloud. Je vais l'acheter. Expertise des objets, chance augmentée. 2000 quand même, PV augmenté, je vais en racheter une je pense. Voilà. Vol, je vais en acheter une aussi. Voilà, allez. Nous attendons avec plaisir votre prochaine visite. Oui. Oh, c'est joli ici. Hein. Très joli. Ok. Oh le monde. Et moi je les veux tous hein. On va essayer vraiment d'en avoir 10 les gars. On espère que vous avez trouvé votre bonheur. On l'espère, chef. Comme j'ai pas vu on l'espère, chef. Allez on continue. Je me demande quelle portée peut ok.
Qu'est-ce qu'on a ici? Un magasin Magmata. Elles sont accueillantes les petites, n'est-ce pas? Pardon. J'ai pas assez de PA pour le moment. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Je cherche des soldats de la 7ème. Vous en avez déjà trouvé ou pas? Deuxième étage. Ah, en voilà. À ta copine? Ouais. Je crois que c'est ce qu'elle aime. T'es sûr? Montre-moi ça de plus près. T'as l'intention d'offrir une broche qui représente deux mitrailleuses croisées à ta petite amie? Sérieux? Tu veux dire que celle avec les baïonnettes serait mieux, c'est ça? Oula. Eh ben la pauvre, je la plains. Ah, capitaine, vous venez au bon moment. J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mitrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis? Mais arrête de dire n'importe quoi. Désolé, capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui, oui, chef. Non, on est obligé d'aller chercher un par un, sinon ils se bougent pas. Hein. Ils seraient en retard pour la parade. C'est vraiment pas sérieux la Shinra. Hein. On comprend pourquoi on vous a botté les fesses. Hein. On raconte que le propriétaire... Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Prenez votre temps pour regarder. Satisfait ou remboursé. Il est malade lui. Poignée de force, ok. J'en ai deux en inventaire. Ok. Il a quoi, Cloud? Parce que sinon, je vais en acheter un pour lui. En fait, ouais, j'ai mis... Ok. Non, bah c'est bon. Bon courage. J'adore la sobriété des accessoires. Je préfère lui laisser le accessoire maugri-gris, là. Bienvenue. Je vais aller au sous-sol aussi. Il y a peut-être des gens. Bonjour. Désirez-vous une chambre? Non. Non, c'est bon. Non, sinon je vais rater la parade en fait. Donc non. Ah, on est retombé dans la rue principale. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, attends, il y en a là aussi. C'est bon! Je peux prendre la photo? Donne-moi deux secondes, j'ai besoin de me préparer. Oh, les susboules quand même. Tassez-vous un peu plus, vous rentrez... Purée, arrêtez vos conneries. Capitaine, vous tombez bien. Vous voulez bien prendre la photo pour nous? Non, moi j'aurais dit non. Bah bon. C'est quand vous voulez! Putain, je peux prendre comme ça là? Genre comme ça? Leurs pieds. Merci infiniment. Ah, elle est magnifique, tu vas voir. Non, j'hallucine. Capitaine, la photo est ratée. Oh mince. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Non mais tu crois quoi? T'as cru que j'allais te prendre en photo avec le... Avec Rufus en plus? Même pas en rêve. Dégagez de là. Alors, vous avez réuni les 5 unités requises. Non mais moi j'en veux 10 les gars, je les veux toutes. Que vous avez trouvé votre bonheur. On l'espère, chef. On l'espère, chef. Voilà donc le fameux canon à Mako de Junon. C'est incroyable. Oh. Il est bien plus grand que je l'imaginais. Ah non mais il est gigantesque. Oui, parce qu'il paraît, le cessez-le-feu avec le bouteille fait qu'il a pas servi depuis plusieurs années. Intéressant. Le fait que cet immense canon soit contraint au silence, je trouve que ça lui donne encore plus de charme. Qu'est-ce qu'il y a? On est occupé là. Comment tu parles? Imbécile, c'est notre capitaine. Hein? Ah, putain, les mecs, ils sont pas doués, quoi. Capitaine. La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne à la traîne. Oui, chef! Je trouve qu'elles sont trop marrantes, les quêtes pour les récupérer. C'est un truc de fou. Alors, je crois que là-bas, il n'y a rien du tout, donc on est bon. Je regarde s'il y a des petites... Ça, c'est mon unité, ça, hein. Regardez. Comment ils sont nombreux. Ah, ils me suivent, regardez. Ils me suivent à la trace. je vais pas aller plus loin, parce que sinon, je crois que je vais... Waouh. Là, moi, je vais une parade capitaine, gigantesque. Regardez, ce ne serait pas qu'est-ce que vous me voulez? Vous voyez bien que je suis jamais qu'un simple marin, moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il a un crochet de pirate. Bon sang, mais c'est vous trois! Vous m'avez fichu la fosse! Ouais. T'es trop chou. Je vous permets pas de vous moquer de mon déguisement! Pardon, désolé.
Je vais aller vérifier comment on se rend au port. Et de votre côté, vous vous en sortez bien, on dirait. Ouais, la Shinra n'y voit que du feu. On vise le prix présidentiel. Ha ! Eh ben, je suis impressionné. Tu devras nous encourager. Ah ouais, t'as intérêt, hein. Alors, on va peut-être remonter par ici. Et caserne, il doit y avoir du monde ici. J'espère qu'on aura le prix du président, hein. Il nous reste encore 4 unités à trouver. Eh bien, Red 13 qui est en train de s'embrouiller, je crois. Qu'est-ce qui se passe ici? L'uniforme vous va bien? Ça alors? Tu nous as reconnus? Direct. Grâce à votre odeur. Ah oui. Eh ben, t'as une sacrée truffe. Depuis qu'on a quitté Midgar, je retrouve progressivement mon flair d'origine. Et à ce propos, j'ai hâte de m'éloigner d'ici. Je crois qu'il se fait embêter par les enfants. Le grand hôtel, je suis pas sûr qu'on puisse y rentrer. Ouais, il y a toutes les troupes qui sont en train de nous suivre, c'est un truc de ouf. Je suis désolé, mais il est interdit d'aller plus. C'est interdit au public ici. Ah bon? Je cherche l'infanterie, la 7ème d'infanterie, vous l'avez pas vu? Faites de votre mieux. Compagnie, garde à vous. Peut-être par là. Le sourire. Ah ouais, il y en a là, au bar. Apparemment, après cette mission, je serai réaffecté à l'unité chargée de la traque d'avalanche. C'est pas vrai? Si, malheureusement. Mais je ne sais pas encore où je serai envoyé exactement. Quelle plaie. Capitaine. Dans ce cas, profitons à fond de notre temps ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion, là? Regarde son casque! Oh, veuillez me pardonner mon manque de respect, capitaine. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. Tu me feras ça en pompe. Oui, chef! Il est stylé ce bar. Alors, cette unité. Waouh. Classe. Je crois par contre ils vendent rien du tout ici. Eh, hey, regardez, c'est qui, Elena? Elena, la petite terque. Tiens donc, elle est en train de se bourrer la gueule parce qu'elle est déçue de ce qui s'est passé dans les mines. Eh oui. T'es tombé sur plus fort que toi, Elena, c'est comme ça. Alors, mais où est-ce qu'ils sont les trois derniers? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal exploré. Regardez tout ce qu'il y a comme soldat, c'est un truc de ouf. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef. Eh, regarde, il y a tout un régiment. Ah, il y a tout un régiment, là, tu m'étonnes. Là, je peux pas aller là parce qu'il m'en manque, il m'en manque. Où est-ce qu'ils sont? Je viens de trouver un gilet pare-balles renforcé dans les vestiaires. La parade doit avoir lieu à Junon Nord. Tâchez de vous y rendre en avance, si vous ne voulez pas courir le risque d'être disqualifié. Ah, oh, ça risque pas, je suis chez moi le chef. Là, je me demande s'il n'y a pas d'autres... Bah non. Là j'ai fait le tour, je me demandais s'il n'y avait pas des infanteries de ce côté-là. On va continuer à chercher dans les magasins, je pense. Regarde ce monde, ça c'est trop fort. Capitaine, on est à vos ordres. Ouais, ouais, vous êtes à mes ordres. J'ai pas fait ce bâtiment, je crois. Ah si, les casernes sud. Ah, faut peut-être que je monte à l'étage. Il doit y en avoir en haut, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a là? Fiole de charité, ok. Ah, en voilà. Comment vous sentez-vous juste avant cette parade?
à la 7e compagnie d'infanterie de Midgar, nous avons redoublé d'efforts lors de notre entraînement en prévision de ce jour. Tous ensemble, nous allons célébrer comme il se doit la prise de fonction du nouveau président en lui offrant notre plus belle performance. J'adore cette poussée d'adrénaline quand je me plonge. Pour finir, voulez-vous bien adresser un message à tous nos téléspectateurs à Midgar ? Les habitants de Midgar souffrent encore des récents événements. Nous voulons donc leur redonner courage à l'occasion de cette parade. Soyons forts tous ensemble. Vous y croyez vraiment ? Que voulez-vous ? Nous sommes en pleine interview, là. Oh ! Mes respects, capitaine ! Hein ? Ah ! Vous êtes donc leur capitaine ? Je vous prie de m'excuser. C'est une chance de vous avoir. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions à vous aussi. La compétition s'annonce très rude lors de la parade. Il passe en live. Pouvez-vous nous dire quelle est votre stratégie pour gagner ? Vous êtes sacrément malin, capitaine. Vous savez que si vous dévoilez notre stratégie secrète, elle sera plus secrète. La pause est terminée. La parade va bientôt commencer. Suivez-moi. Oui, chef. Il me tue comment il marche. Tac. Bon, ça nous en fait une de plus, il en reste plus que deux. Et j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas où je vais les trouver. Ah, je peux encore monter. Il y a peut-être encore une en haut. Salle de briefing. Je suis tellement impatient de voir le spectacle de la brigade motorisée. Tiens, il y en a un là. Au fait, où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, le nouveau président ? Pas à Midgar, en tout cas. Il visitait d'autres endroits, il paraît. Autrement dit, il sait comment ça se passe sur le terrain. Peut-être, mais en revanche, il ne doit pas bien connaître les unités de Midgar. Raison de plus pour nous de lui montrer de quoi nous sommes capables. Petit coffre. Une boisson de vitesse. Ok, donc ça, c'est l'avant-dernier. On est en train de répéter. Venez pas l'avant-dernière infanterie. C'est vous, capitaine ? Je vous prie de m'excuser. Finis l'entraînement. C'est l'heure d'y aller. Suivez-moi. Oui, chef. Allez, où ? Ok, il en reste plus qu'une. Où est la dernière ? Là, ça va être le plus difficile à trouver. C'est toujours quand il en reste plus qu'une que c'est dur. À moins qu'il y ait un sous-sol. Là-dedans, je pense. Branche de Junon Sud accueil. C'est Junon qui remportera le prix. Ah ouais, ça va être forcément là-dedans. Entrepôt, les voilà les petits derniers là qui se cachaient. Je suis persuadé que la formation Ifrit avec nous en tête est de loin ce qui se fait de mieux. Formation Ifrit. La formation Ramu des Grenadiers est pas mal non plus. Niveau stabilité, c'est la formation Shiva des gardes anti-émeute qui s'impose. À mon avis, si on parvenait à créer une formation tirant le meilleur de chaque corps, on serait assuré de remporter le prix présidentiel. Capitaine ! Garde à vous ! Capitaine, puis-je vous poser une question ? Quelle formation avez-vous choisi pour la parade d'aujourd'hui ? J'aviserai en fonction de notre forme et de la situation. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre mes ordres. C'est compris ? Allez, sortez d'ici ! Oui ! Avançons, chef ! Et ben voilà les gars, on les a tous, les 10. Que seulement 5 étaient nécessaires. On a eu un succès d'ailleurs le fait de tous les rassembler. 1500 guilds, mais on en a trouvé 10. Ça fait qu'on va avoir une parade, mais alors gigantesque. Il va pas falloir se planter, clairement. On va aller voir à l'étage. Je crois que j'y suis pas allé encore. Branche, salle de repos. Hey, Charlie. Il est là, lui. Oui. Puis-je vous renseigner, monsieur le garde ? Scan en cours. Candidat potentiel repéré. Tiens. Mais c'est vous, Cloud ? Pourquoi portez-vous cette tenue ? Ah, ça. Ne me dites rien. Je suis prêt à parier que vous êtes en mission d'infiltration très secrète. Vous pouvez bien sûr compter sur ma coopération. Capitaine, en quoi puis-je vous assister aujourd'hui ? Eh bah écoute, rien de spécial. Foudre et vent.
30 points d'analyse, maîtrise des objets. Matériel permet d'utiliser des objets sans consommer d'ATB, économie de PM. Ok, avantage de choc, permettant de remplir la jauge ATB lorsque l'état de choc est infligé à l'ennemi, c'est stylé ça. Je vais acheter ça, foudre et vent, je vais acheter avantage de choc aussi. Hop là. Simulateur de combat, je vais regarder ce qu'il y a, même si on va pas les faire maintenant. Chadley Combat Simulator. J'en ai fait aucun pour l'instant, donc forcément il y en a beaucoup. Mais effectivement, foudre 2 étoiles, soin 2 étoiles, ouais. Allez, let's go. Si par la suite, ça va être l'heure de la parade. N'hésitez surtout pas à me recontacter, d'accord ? Merci mon petit Chadley, toujours là lorsqu'on ne t'attend pas. C'est assez rigolo. Allez, je crois qu'on a vraiment fait le tour de tous les bâtiments pour le coup. Et franchement, c'était très très fun. Mais il est temps d'y aller, les amis. Je pense que... Capitaine, wow, on est tous là. Ah ouais, vous êtes... ouais, vous êtes vraiment tous là, là. Effectivement. Waouh. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Regardez-moi tout ça, si c'est pas beau. Ils sont tous là, ils ont tous des petites couleurs en plus, c'est joli. Bien joué les gars, j'espère que vous êtes tous prêts, que vous êtes bien entraînés, puisque l'heure de vérité a sonné. La parade, il va falloir impressionner le président, on veut gagner le prix présidentiel pour que je lui mette une bonne correction à ce Rufus. 7ème d'infanterie de Midgar, au complet chef. Au complet chef. Septième d'infanterie de Midgar, à votre commandement. Je vois que cette fois tu n'es pas en retard. La parade va bientôt commencer. Vous êtes prêts à la rejoindre, j'espère. Chef, oui, chef. Changer de formation, alors peut-être changer de formation, on va voir. Alors du coup, formation Ramu, deuxième performance, formation Bahamu, et troisième performance, formation Ifrit. Ah ouais. Alors attends, comment on change? Donc c'est la troisième. Ah d'accord, ok, c'est la troisième performance qui est plus difficile. Bonus de formation de garde pyrotechnicien. Grenadier. Formation Shiva. Attends. Une série de gestes qui communiquera l'ardeur enflammée des troupes au public. Nombre de pressions moyen. Touche utilisée. Ok. Inclut des pressions maintenues. Inclut des pressions répétées et maintenues. Honnêtement, je ne sais pas. Garde anti-émeute. Ah là, je suis en 3 étoiles partout là. Deuxième performance, une série de gestes envoûtants qui rappellera au public la beauté délicate des cristaux de glace. Nombre de pression élevé. Une série de gestes complexes dont l'impétuosité évoque au public l'envol de ce puissant dragon. Ok. Bah écoutez, je sais pas si on part. Si on part là-dessus. Genre, j'ai mis que des difficultés 3 niveaux. Donc, bon, on verra. Hein. J'ai mis des grenadiers, garde anti-émeute, grenadier, garde anti-émeute et garde pyrotechnicien pour la fin. Écoutez, on va rester comme ça. On va voir, je vais peut-être le regretter. On y va. Ça va être rigolo, je le sens. Septième compagnie d'infanterie de Midka, écoutez bien. C'est à toi. Compagnie. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tout Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers. Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Oui. Il dort ou quoi lui ? C'est à toi, faut conclure.
Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef. Ensemble, nous ne pouvons pas perdre. Oui, chef. Nous sommes les meilleurs. Oui, chef. Capitaine, il est temps d'y aller. Rendons-nous à Junoma. Il s'emballe, le mec. Oh, c'est excellent, Cloud. Il a tout donné. Compagnie Shinra, succursale de Junon, le centre de commandement. Le dernier tir. Il y a 5 ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'à des fins cérémonielles, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Wow, mais c'est chaud, il est encore plus dangereux que son père, lui. Ça va déclencher une guerre. Le site de la parade d'inauguration. Wow, le monde, j'ai l'impression. Ouais. Par ici. Bonjour, je vous parle en direct de Junon-Nord. Regardez un peu ça. Quelle foule immense. Quel enthousiasme. Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant! Ils ont une telle maîtrise de leurs engins. Regardez, le président Rufus vient juste d'arriver. Écoutez cette clameur venant de la foule. C'est assourdissant. Que se passe-t-il? La parade s'est arrêtée? Tout est prêt, monsieur le président. Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez! Alors ça, c'est une surprise. Un tir vient d'être effectué avec le grand canon Amako, le célèbre symbole de Junon. L'émissaire du Wutai. La parade bat actuellement son plein à Junon-Nord. Et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des troupes de Midgar, la 7e compagnie d'infanterie, vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminé. Ses troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgar. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance il nous réserve. Mesdames et messieurs, la 7e compagnie d'infanterie de Midgar. Allez les amis, c'est parti. Gauche. Formation. Ouh. Je suis sûr qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel. Ok, j'en ai loupé un, ça allait tellement vite, j'étais pas prêt. Oula. C'est bon, je vais me rattraper. Dernier mouvement. Commencez. Je vais me rattraper. Vous inquiétez pas. Ils peuvent sans doute faire encore mieux. C'est bon. Il montre tant
sentiment d'assurance dans chacun de leurs gestes. Les ordres du capitaine sont limpides. Oui, limpides. Ils ne font pas la moindre erreur. Ouh. Ça va le faire, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Quelle synchronisation. Oh oui, c'est beau. Allez-y les gars, on a tout donné. Oh, 22 excellents, 1 bien, 2 mauvais. Je suis plutôt content. Nous venons de voir la première performance de la 7ème compagnie d'infanterie de Midgard. Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes. Ça va, ça va. Alors, 19 000. Qu'est-ce que ça donne? Ils sont contents. La 7ème compagnie d'infanterie commence très fort. C'est que le début, vous inquiétez pas là. Ces membres sont applaudis par le public pour cette prestation exceptionnelle. La foule est impatiente de voir la prochaine performance. On va attirer le regard de Rufus, vous inquiétez pas. Deuxième performance, c'est parti, formation Shiva. Premier mouvement, commencez. Wouhou. C'est un spectacle tout à fait honnête. Oh, je l'ai même pas vu. En fait, je regarde la cinématique. Oh. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu tendus. On va se remettre, on va se refaire, on va se refaire. Les ordres du capitaine n'ont pas l'air d'être bien compris. On peut dire qu'ils se sentirent plutôt bien. Ça va tellement vite. Une solide performance. Dernier mouvement. Combo 5. Oh mince. Que leur arrive-t-il ? Je ne sais pas, je perds mes moyens. C'est parce que Rufus il nous regarde là. Du coup je suis stressé. Voilà qui est bien exécuté. Ils font ça avec tant de brio. 19 excellents, 3 bien, 4 mauvais. La 7ème compagnie d'infanterie de Midgard vient juste de terminer sa deuxième performance. À présent, ouais, nous possédons des comptes des votes de nos spectateurs. Ça va. Voyons, quel en est le résultat? On a certes pu relever quelques moments d'hésitation. J'avoue. Mais leur capitaine a su leur transmettre son enthousiasme. Avec un tel entrain, on peut s'attendre à un vrai feu d'artifice pour la fin. Allez, allez, on donne tout, les gars, on donne tout. On se reconcentre. C'est le moment de tout donner maintenant. C'est la finale. Gauche. Difficulté 3, formation Bahamut. 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 Prometteur. Allez, let's go. Je crois bien que nous assistons à une performance historique. Oh. C'est comme s'il ne formait qu'un seul homme. C'est magnifique. C'est un spectacle exceptionnel. Ils peuvent sans doute faire encore mieux. Mais oui, mais oui. Allez, go, combo 4. Compagnie. Quelle fluidité dans leur mouvement. Oh, ça va trop vite. Oh, ça va tellement vite. Allez, allez, faut qu'on fasse un beau combo là. C'est où, c'est où? Je suis sûr qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel. Les ordres du capitaine sont limpides. Quelle synchronisation parfaite. Combo 11. Oh yes, excellent, 33, 1 bien, 4 mauvais. Combo max 12. On s'est bien débrouillé les gars, je pense qu'on a fait une belle performance quand même au global. Il y a eu des erreurs forcément. Nous y voilà. C'était génial. La performance marque la fin de la parade. Excusez-nous. Et maintenant, nous finissons de comptabiliser tous vos votes, chers téléspectateurs. Très bien. Voyons le résultat. Écoutez un peu ça. C'est dans un tonnerre de cris et d'applaudissements que la foule félicite la 7ème compagnie d'infanterie de Midgard. On peut être fier de nous. La prestation restera comme l'une des meilleures dans l'histoire de la Shinra. La question qui se pose désormais, c'est qui va remporter le prix présidentiel. Restez avec nous pour suivre la remise des prix en direct. Bon, ouais, dis donc. Alors, poste de surveillance. Oui, aucune inquiétude. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Je vais m'entretenir avec...
essuie les manteaux noirs. Très bien, monsieur. Fini de se reposer. Il faut reprendre la traque des manteaux noirs. On dirait bien que la Shinra et Avalanche ont le même objectif, hein. Alors, remise des prix imminente. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mes félicitations à tous. Nous le devons à votre profond dévouement et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien, maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... la brigade motorisée de sécurité. Quoi ? C'est impossible. C'est impossible. On a tout donné. Baroche. Non. Pas ce gars. C'est pas vrai. On vise le prix présidentiel. Mais pourquoi ? Avancez, je déteste ce gars. Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le Président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la Shinra de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je veux exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Shinra continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui marque le premier pas. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la terre promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlable que j'accomplirai mon devoir envers vous. Vous avez ma parole. Oui, désormais, œuvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. J'avoue, le discours était ouf. On peut pas lui retirer ça. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est... la 7e compagnie d'infanterie de Midgard. Affinité avec Tifa s'est renforcée. Allez. Oh oui, la musique.
maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, devant. Approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le voyez, les membres de la 7e compagnie d'infanterie que le président a désigné se dirigent en haut de l'estrade. Saluez ! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. 7e compagnie d'infanterie de Midgar, vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Le président Refusera félicite les trois cadres de la 7e compagnie d'infanterie. Il ne fait aucun doute que ces derniers doivent être très émus ensemble. Et ils essaient de contenir leur joie. Je désire parler en privé avec ces trois personnes. Coupe la transmission. Bien. Allez. Et plus vite que ça. Ils ont consenti avec leurs camarades en prévision de ce grand jour. C'est quoi ce bordel? Pardon, laissez-moi passer. Attends, regarde. Youfi! C'est la gamine. Elle va tout faire foirer. Qu'attendez-vous pour enlever vos casques et profiter de ce moment de gloire? Cloud Strife. Oh. Ta performance était impressionnante. On voit bien que tu as l'habitude. Oh. Hein? Sale petit rat. Recule. Mais enfin, monsieur. Cloud Strife, je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgar. Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair? Je veux parler du legs encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra. Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé. Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre? C'est ce que tu veux dire? Oui. Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar. La Shinra n'a plus besoin de moi? La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi? Que vous éliminiez Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi? On accepte. Vous savez comment le retrouver? Nous allons suivre les manteaux noirs. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens, qui sont-ils? Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Ojo. Ouais. Waouh. Ok. Oh, on joue avec le fils. Tu devrais pouvoir monter par là. Oh, c'est une dinguerie.
Une agilité de Shinobu. Oh, quel plaisir, ça me rappelle tellement de DLC, c'est magnifique. Merci, en plus elle a mis sa cape, j'aime trop. Oh là là, elle est partie pour assassiner le président. C'est une dinguerie. Où est-ce que je vais? Hop là, ok, par là. C'est ouf, c'est que bah du coup la Shinra et nous avons exactement les mêmes objectifs. Mais où est-ce qu'elle est passée, cette gamine Shinobi? Garde ton calme, elle n'est pas là. Il y a Barrett qui nous cherche. Par contre j'avoue elle va peut-être tout faire foirer par contre. Parce que là une tentative d'assassinat sur le président. Là en vrai limite, bon on a le même objectif tu vois. Donc on pourrait dire ok on se casse, on va trouver Sephiroth. De toute façon nous c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. On verra après pour la Shinra et ses abus. Sauf que là, si Yuffie avait fait une tentative d'assassinat, là c'est chaud par contre. Regarde, elle est là-haut. Bordel, c'est vraiment pas le bon moment. Oh, Sonon. Ta vengeance est la mienne. La personne qu'elle cherche à assassiner étant très éloignée, Yuffie a besoin de se concentrer pour pouvoir la viser. Pour cela, vous devez ajuster la cible sur Rufus, puis appuyer sur X lorsque le cercle s'inscrit au centre. Après avoir répété cette opération plusieurs fois, Yuffie pourra lancer son shuriken, mais c'est une dinguerie. On se concentre. Mon dieu. Nous sommes d'accord. Marché conclu. Tu nous fais la promesse? Tu le diras à tout le monde? Au professeur Ojo? Voilà. Et au Torque aussi? Il faut bien viser. Oui. Cela va de soi. Comme ça. Waouh. Je suis presque. Parfait. Fais pas ça! Oh, attention! Vous là-bas! Dois-je comprendre que c'est votre réponse? Non! Attends! Ah, c'est pas vrai! Vous le regretterez, bande de vauriens. Monsieur, il faut partir! Mais non! Retrouvez-moi l'agresseur! Laissez pas fuir ce terroriste! Ah, cette attaque, c'était Yuffie? Sans doute. Qu'est-ce qu'on fait? On fera mieux de s'en aller. Passage vers Junon Nord. Mais c'est une dinguerie! Rufus, il est mort ou quoi? Il s'est tiré. Merde! On fait quoi maintenant? J'ai aperçu un manteau noir. Il se dirigeait vers le port. Allons-y, nous aussi. C'est très surveillé là-bas, d'après ce que j'ai vu. Ça devrait aller avec ses uniformes. Vous avez qu'à y aller en premier. Moi, je vais rester. Et conduire la 7ème d'infanterie à l'écart du port. Tout seul? Ça va aller? Ouais. En solo, ce sera plus facile. Capitaine! On se retrouve au port. Capitaine, à vos ordres! Ceci est ultra confidentiel. D'après nos renseignements, l'agresseur serait à Junon Sud. Je vais me charger de transmettre cette information. Vous allez prendre les devants et commencer les recherches sur place. Si vous me permettez, capitaine. D'après nos derniers renseignements, l'agresseur se serait déguisé. Et il est fort possible que lui et ses complices se cachent parmi nous. Y aller seul serait trop risqué. Nous allons donc vous accompagner. En tant que 7ème d'infanterie de Midgar, nous sommes inséparables! Ah. Si jamais quelqu'un nous attaque, même s'il porte cet uniforme, nous n'aurons d'autre choix que d'ouvrir le feu. Oui, tu as raison. Je crois que pour l'instant, on ne peut se fier qu'à nous. Une fois que le garde de l'ascenseur du port sera informé, nous irons à Junon Sud et participerons à la traque de l'agresseur. Suivez-moi. Oui, chef. C'est une dinguerie.
Alors, 5 membres de la 7ème compagnie vous accompagnent tandis que vous vous dirigez vers le port. Notez que leur PV baisse quand ils sont attaqués et qu'ils sont abattus si ceux-ci tombent à zéro. Faites donc bien attention à les préserver autant que possible jusqu'à votre destination. Mais c'est trop rigolo, ça. Alors, attends, on a une petite... un petit coffre, là. Lame runique, une nouvelle épée. Non, c'est pas une nouvelle épée. Attends, c'est exactement la même. T'es pas sérieux? Non, c'est l'âme somptueux qu'on avait. Ah, waouh! Alors attends, compétence désordre, une épée mystérieuse sur laquelle sont gravés d'anciens glyphes, change de mode de combat tout en exécutant une puissante attaque. Gain d'ATB en cas d'attaque réussie, utilisable en l'air. Ok, elle est folle, elle est énorme. Alors, beaucoup moins d'attaque magique, enfin physique pardon, mais du coup j'ai envie de la mettre rien que pour... Tac, est-ce que je vais peut-être reprendre soin qui était à Barret, je crois. Attaque physique plus 20. Ah bah voilà, c'est nickel. Ça compense, regardez. Attaque magique plus 20. Allez, tac. Magnifique. C'est stylé comme ça. Ah bah voilà, c'est parfait. En fait, là, on a compensé. Du coup, on a que 4 points d'écart. Comme ça, au pire, je pourrais débloquer son bonus de maîtrise, qui peut être pas mal. On va regarder également dans les PA, mais on a rien. Je vais regarder aussi qui a à vendre. 3 super potions, allez, c'est parti, en promo en plus, on achète. Qu'est-ce que ça vend? Chance augmentée, PV augmentée, ok. Bon, on va rester comme ça. Ah oui, je devais mettre également la materia, peut-être soin aussi en attendant. Équipement et materia, cloud, hop, voilà, je vais la mettre là, soin, on en aura probablement besoin. Allez, c'est parti les amis, on y va. 7ème d'infanterie, suivez-moi. Le combat va commencer. Ah, c'est pas ça qui m'arrêtera. Le capitaine. Ah, j'ai pas envie qu'il meure en plus. Laissez-les tranquilles. Wow. Yes. Allez, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Ok, il y a le garde numéro E qui a pris un petit peu cher. Allez, on a récupéré des super potions. On peut y aller. Allez, tenez bon les petits gars, je suis pas sûr que je puisse... Ah si, je peux les soigner en plus. Débarre. C'est vraiment comme des membres de mon équipe, quoi. Soin, allez, soin sur moi aussi. On y va. Où sont passés les autres troupes? Allons voir un peu plus loin. Oui, chef. Oui, chef, j'adore ça. Ils devraient tous me parler comme ça chez Avalanche. Bonjour. C'est vrai que quelqu'un a essayé d'assassiner le président? Affirmatif. L'agresseur s'est enfui vers Junon Sud. Je dois transmettre l'information. Je vois. Merci. Comment elle est énorme, l'épée dans son dos là, je suis en train de réaliser. Ah, merci. Une super brumier potion. Trop bien. On a bien fait de lui parler à celui-là. Allez, tac, on passe en bravoure. Nickel. Bien joué les gars. Je crois qu'il y avait des petites caisses là-bas. Super. Je vais essayer de tous vous maintenir en vie les amis. D'accord? Comptez sur moi. Je ferai tout mon possible. Faut qu'on descende. Vous ne croyez tout de même pas que l'agresseur se serait infiltré dans notre compagnie? On s'en serait forcément rendu compte. Oui, c'est trop marrant. Alors que c'est lui l'imposteur. Bon, c'est pas l'agresseur, mais c'est quand même un bel imposteur quoi. Par là. Waouh. Ok, il y a des gardes avec des boucliers en bas. Wow. Allez les gars, tenez bon. Wow. Ils sont résistants eux.
Aïe. Boum. Allez, c'est enchaînement rapide. C'est pas mal quand il y a du monde. C'est marrant quand maintenant l'invocation vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a envoyé une potion, mon garde. Je crois que c'était à moi qu'il l'a envoyé. Bien joué les gars. Et Cloud est passé niveau 23, ça fait plaisir. On avance. Ça va, ils sont tous en vie pour l'instant, ça fait quand même plaisir. Bonjour. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de l'agresseur? On a appris qu'il s'était enfui vers Junon Sud. Je dois aller prévenir les autres. D'accord, merci. Tenez, prenez ça. Deux super potions. Incroyable. Justement, je vais me soigner en parlant de potions. Je vais prendre des petites potions toutes simples pour moi. Et on y va. Tac. Ascenseur. Je vais peut-être soigner mes amis aussi. Mes amis, tu sais. C'est vraiment des gardes de la Shinra à la base, mais bon. Je les considère vraiment comme mes amis maintenant, ça y est. Je vous ai adopté. Oula! Wow! Attends, mais y a des gars là-haut, là. Faucheur judonien. Ah, c'est pas ça que je voulais faire en plus. Comment je peux les avoir, ceux de là-haut, là? Alors attends, je vais lui faire une petite flamme fulgurante là. Comme ça il a une, comme il a une faiblesse. Oh, il va trop vite. Ah, je peux pas les choper là-haut là. Il m'envoie une petite potion, ça fait plaisir, mes amis. Allez, âme brave. Oh! Il m'a immobilisé! Envoyez-moi une potion, les amis! Allez, je vais me soigner, je vais faire un petit soin. T'es foutu. Oh! Sors! Oh, je vais me soigner après, hein. On est d'accord? Allez, je passe en. Ouh. Allez, il est mort! C'est bon, ils sont tombés, eux. Yeah. Oh, encore un? C'est pas sérieux. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vite. Je vais utiliser peut-être une brumi potion, tu vois. Super brumi potion. Allez, pour tout le monde. Ouais, tout le monde a repris des forces, ça fait plaisir. Hop là, petite humilité là qui est bien passée. Âme brave. Oh. Allez, il va tomber en choc. Je passe en bravoure et c'est parti. Il est mort. À toi. Quelle vitesse, quelle vitesse. Bien joué, tout le monde est en vie à ce que je vois, ça fait plaisir. Allez go. Ah, c'était chaud là avec les robots. Capitaine, vous ne pensez pas que tout le monde a été informé? Je préfère m'en assurer. Oui, chef. Allez go. Je vois qu'il y a des petites caisses à casser.
Pourquoi je devrais même mettre, tant qu'on y est, je suis en train de penser, comme on n'utilise pas les autres personnages pour l'instant, une petite matériel PV augmenté qui appartient à... Là, je vois que j'ai foudre, mais non, je vais même mettre foudre en fait. Foudre et vent... Allez, foudre. Comme il y a pas mal de robots là, et je vais la mettre du coup en... Hop. En accès rapide. Flamme turbulent, enchaînement rapide, ouais. Allez, je reste comme ça. Let's go les os. Comme il y a pas mal de robots, je pense que ça va nous être utile. Oula. Ah, ils sont relous, ouais. Aïe. Il est trop rapide, lui. Ah, arrête de courir. Oh. Allez, foudre. Ah, il s'en fout un peu. Waouh, c'est le bordel là. En train de me faire défoncer. Y'en a qui me tirent dessus de je sais pas d'où. Waouh. Ah, c'est lui qui me balance des trucs en fait. Mais comment je fais? Vas-y, soigne-moi. Merci mon petit garde. Ah mais là il me faut un sort de soin vraiment parce que... Oh, trop cher. Voilà. Boum. Enchaînement rapide peut-être. Allez. Ah, il est trop chiant. Il va tellement vite. J'arrive pas à le choper. Il est bientôt mort en plus. Oh, il est en choc. Allez, on défonce. On passe en bravoure. Et voilà. Bien joué les gars, merci de m'avoir aidé avec votre petite potion et tout ça, c'était très très cool. Mix potion, j'en ai pas d'autres. Oh. Toi, je vais te donner un petit soin. Garde numéro E. Et puis peut-être pour Cloud un petit sort de soin. Voilà pour le moment. Une super potion, ok. Allez, je vais donner même une petite potion à certains gardes parce que je vois qu'il y en a qui sont pas bien. Je voudrais pas que vous me lâchiez entre les pattes avant la fin, ça serait dommage. Voilà, j'utilise des potions alors qu'il y a un banc. N'importe quoi. Hop. Alors, qu'est-ce que ça vend ici? Des méga potions en promo, j'achète. Ça aussi j'achète. Ensuite, super potion, ça coûte 300. Oh, j'en ai pas mal. J'en ai déjà pas mal. Ensuite, il y a des materia, PV augmenté. Je devrais en acheter peut-être une. Oh, je sais pas, on verra plus tard. Bracelet barbare, ok. J'ai pris un niveau, donc peut-être que je peux... Ah, j'ai que 5 PA, ça sera pas suffisant. Allez les gars, on se repose. J'espère qu'ils reprennent de la vie eux aussi. Ça serait cool. C'est vraiment fou de se battre contre des gardes de la Shinra avec des gardes de la Shinra. Eh ouais, tout le monde a récupéré des PV. Maintenir. Oula. Oh, oh, je m'y attendais à celle-là. Oh les gars, ça sent le combat. Tu aurais pu me prévenir que tu comptais participer à la parade, mon ami. Mon ami. Je t'aurais invité à rejoindre ma brigade motorisée. Dommage. Ma chère demoiselle m'a donc fait faux bond. C'est qui cela? Notre public, bien sûr. Il se trouve que toi et moi sommes désormais de véritables légendes. Écartez-vous. Bien. Si seulement tu savais comme j'ai attendu cet instant avec impatience. Mais à vous. Toi aussi, tu avais hâte, non?
Finissons-en rapidement. Ne sois pas si impatient, mon ami. Tout d'abord, place à la musique! Et ensuite, la lumière! Et voilà! Maintenant, tout est prêt! Bon, c'est ravi! Nous pouvons enfin commencer ce rendez-vous tendu! Et laisser libre cours à nos émotions et à notre rivalité! Waouh, Rocher, ça fait depuis remake que j'ai envie de lui mettre une bonne raclée à celui-là. Alors franchement les gars, on va pas se gêner. Et je crois qu'il y a mes gardes qui m'envoient des potions, je rêve quoi. Non. Allez, allez, allez. Oh là, il part sur le côté. Éclair impitoyable. Oula. Hop là, attention, attention, faut esquiver les ronds au sol. C'est bon. Aouh. C'est compliqué d'être en bavure du soldat, je pense. Allez, je fasse attention parce que ma vie a beaucoup baissé. Allez, je vais prendre un soin. Sort de soin, ouais. Voilà. Allez, on y retourne. Allez, descends de ta moto là, espèce d'escroc. Éclair impitoyable. Oh là, attention. Faut esquiver. Hop là. Pas ton ami, arrête de dire ça. Je dois me concentrer. Waouh. Oh, il est en choc. Allez, on y va, on y va. Oh, oui, il a bien pris cher là. Oh oui. C'est moi qui rigole. Peuvent se surpasser. N'ai-je pas raison, mon cher ami? Qu'est-ce qui me vénère à parler comme ça? Allez, offrons à notre public du grand spectacle. Ça y est, il descend de sa moto. Même pas. Aïe. Allez. Aïe. Faut que je le soigne en plus. Allez, sort de soin. Oh, j'ai même une invocation qui est là. Allez, c'est parti. Oula, 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 oula. Elle est un petit peu lente cette attaque pour pouvoir la passer. Hop là, hop là, il balance c'est quoi là? Objet, je vais prendre une super potion. C'est bon. Allez, c'est parti, on y retourne. Allez, allez, allez. Ah ouh, qu'est-ce qu'il m'appelle hein? Ouh, la transcendance est prête. Taillade croisée. T'es sérieux? Je l'ai fait dans le vide? Trop dommage. Oh là, il y a des éclairs partout. On court, on court, hop les. Hop là, y'en a là. Aïe. Je perds rien pour attendre, Roche. Ouh, il est en choc. Allez, c'est parti, flamme fulgurante. Comme
toi au bouquet final. Oh oui, merci. Je voulais tellement qu'il lui pète sa moto. Qu'avant, mon cher ami. À qui le tour maintenant ? Ah non, ce combat n'est qu'entre toi et moi. Pour mon ami. Yamamou ! Que je vois, tu as su commander tes subordonnés avec courage. Je n'en attendais pas moins de toi, mon cher ami. Étant moi-même le capitaine de la brigade motorisée de Midgar, je te présente tout mon respect. Et pour cette bienveillance envers tes hommes, je t'offre ça. Accepte-le. Un porte-clé Roche, un élixir, une peluche de Stamp. Bon, c'est parce que j'ai réussi à sauver tous mes hommes. Bien, on va partir. Tu trouveras un ascenseur un peu plus loin. Il mène aux portes. Il nous aide vraiment ? Tu me laisses filer ? Bien sûr, pour te pourchasser. C'est comme tu voudras. Ce gars est vraiment trop bizarre. Je te souhaite bon voyage, mon cher ami. Bon, j'avoue, je t'aime bien un tout petit peu. Voilà, je te le dis, je t'aime bien un tout petit peu. Voilà, juste pour ça. Mais non, c'est trop marrant ça. J'aurais pas cru qu'il allait nous laisser filer. Une médaille mug, 3000 gills. Oh là, c'est bonheur ça. Ah, y a beaucoup de choses ici. Hein. Il faut qu'on regarde aussi. Qui nous a filé comme objet. On a un porte-clés, je crois, déjà. Ok. Là, c'est bon. Waouh, grenade, calmant, médaille Mog. Impossible de garder deux... Impossible de garder une fiole de charité de la planète. Ah, parce que je suis trop plein. Bah, attends, parce que dans ce cas-là, on va faire un peu de... On va faire un petit peu de... Maturité de la planète, 25, tac. Qu'est-ce que je peux faire? Protège-bras en cuivre. Poignée de force. Bah, de toute façon, il faut que j'en fasse en vrai pour augmenter mon niveau de... Bracelet barbare. Protège-bras, ok. Allez, je vais faire celui-ci. Niveau de synthèse augmenté, yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maturité de la planète. Ok. Donc le spiritiste, je crois que j'en ai déjà, ouais. Inventaire 1. Qu'est-ce que je peux faire? Gilet par balle. Protège-bras en cuivre, j'ai déjà fait. Potion, mix potion. En fait, j'ai l'impression que je peux plus transporter de trucs. Impossible de garder une fiole de charité. Impossible de garder une fiole de charité. Donc je dois être à fond sur un truc. Charité de la planète. Ok. Minerai de fer. Je vais pas tous les utiliser juste pour ça, quoi. Gilet pare-balles, ouais. Je suis à combien en fait en inventaire? On va regarder dans l'inventaire tout simplement. Hein. Objet, charité de la planète, c'est où?
Module d'activation. Peluche stamp. Une peluche fidèle à l'original et à son maître. Ok. Ok. Porte-clés Rochet, un porte-clés créé par un fan de Rochet et certifié officiellement par le capitaine de la brigade motorisée de Midgar. Récupère un petit montant d'ATB lors de l'utilisation des compétences d'armes. Ok. Ouais, j'en ai 96. En fait, je peux pas aller au-delà de 99, en fait. Donc c'est pour ça que ça ne les prend pas. Donc là, je peux parce que j'avais un petit peu de délai, mais en fait ouais voilà, je reviens vite à 99, donc il faudra que je synthétise des trucs. 3 grenades anti-sarge, donc je sais pas ce que je peux synthétiser avec qui utilise de la charité de la planète. Le seul truc qui utilise charité de la planète, c'est, ah non, il y a plein de trucs, hein. Il y a mix super potion, restore 700 PV. Allez, je vais faire ça, hein. Je vais en faire plusieurs. Quantité. Voilà, je vais en faire 10. Bam. Voilà. Ok, c'est bon. Ce serait dommage de les gâcher quand même. Alors, je crois qu'on arrive au port. Oui. J'ai l'impression. Waouh. Ça y est, on y est les gars. Maintenant, vous devez aller à Junon Sud. Vous voulez bien nous expliquer, s'il vous plaît? Au sujet du type en moto? Comment dire? C'est juste un rival. Oui, nous l'avions deviné. Ce que nous voudrions savoir, c'est pourquoi vous cherchez à vous débarrasser de nous. Devons-nous comprendre que nous ne sommes rien de plus qu'un fardeau pour vous? Oh mon Dieu. À moins, naturellement, que ce ne soit vous l'agresseur, en réalité. J'aime pas ce genre d'accusation. Attention à ce que vous dites. Inutile de vous fâcher. Ce n'était qu'une plaisanterie. Nous savons que l'agresseur est une jeune femme. Ça ne peut donc pas être vous. Mais bon, le message est clair. Ce que vous voulez, en fin de compte, c'est que nous vous laissions seuls quelques instants. Nous avons manqué de tact. Veuillez nous en excuser. Veuillez nous en excuser. Bon. Ok pour cette fois. Grâce à vous, nous nous sommes sentis bien plus unis qu'auparavant. Jamais nous n'oublierons l'euphorie de la parade. Toutefois, quand on y réfléchit, nous venons juste de faire votre connaissance. Ce sentiment de ne former qu'un seul homme, peut-être qu'en fin de compte, ce n'était que notre imagination. Bien sûr que non, voyons. Moi aussi j'ai ressenti la même joie. Mais bon, je crois que vous m'avez bien compris. Je voudrais qu'on me laisse seul maintenant. C'est triste un peu, hein. Ils sont tellement fidèles. Capitaine, nous reverrons-nous un jour? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas des gens foncièrement méchants, c'est juste qu'ils ont pas le bon commandement. Mais en vrai, ce sont des bonnes personnes. Chaque personne, en fait, c'est... Ah là là, j'ai été ravi. Merci, soldat, pour vos actions et votre fidélité. Mais ma route continue seule maintenant. Et je vais rejoindre mes vrais amis. Ah, c'était vraiment cool. Le port de Junon. Ça y est, quai du ferry. Je sais pas où sont les autres, mais j'espère qu'ils vont me rejoindre. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial. C'est grand, dis donc. Je me demande s'il n'y a pas des petits coffres qui se terrent ici et là. Waouh, ce bateau est gigantesque. C'est un combien d'étoiles ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis soulagée que le président soit sauf. Ah bah pas moi. Bon alors, ils vont nous... Le plus sûr, c'est de laisser la chute. Est-ce qu'ils ont déjà attrapé les coupables de l'attaque? Ah bah les voilà. Cloud! Ça a été? Ouais. Bah, c'est pas tout.
mais il est temps de partir en croisière avec nos chers manteaux noirs. Bien. Suivant. Il contrôle tous les passagers. Qu'est-ce qu'on fait? On monte par l'arrière. Resquillage. C'est marrant, le manteau noir, genre, il prend le bateau comme ça, lui. Il a le droit de monter. Qu'est-ce que vous fabriquez là? On est là pour... À la parade, on a gagné le prix présidentiel. En récompense, on a le droit d'aller à Costa del Sol. On doit prendre ce bateau. C'est ce qu'a dit le président Rufus. On ne m'a rien dit de tout ça, moi. Oui, mais vous savez bien comment il est, le patron. Ceux-là, derrière, ils viennent aussi? Oh! Ils sont là depuis quand? Capitaine, on a une querelle entre des passagers. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de gens capricieux aujourd'hui. Installez-vous en deuxième classe. La plupart des passagers sont des gens distingués. Alors, surveillez vos manières. Et toi, retourne à ton poste au lieu de bailler aux corneilles. À vos ordres. Et votre chien, il doit rester dans la cale. C'est d'accord. Allons, allons. Ouais, carrément les motos noires et tout. Paré au départ, levez la passerelle. Attendez-moi, moi aussi je veux monter. Attendez, partez pas sans moi. Non mais oh, c'est une plaisanterie ou quoi? J'ai dit que je voulais monter. Pas aujourd'hui. Oh. Chapitre 5, une croisière sanglante. Ah ouais. Et ce Faz, tu l'as revu? Non, jamais. Mais depuis, les personnes de grande taille me font un peu peur. Ah, je comprends. Je suis là si tu veux parler. En fait, après ça, les choses se corsent un peu. Oh non, ne me dis pas qu'il y a eu encore pire. Disons plutôt, plus important. Mon premier amour. Ah, oui, en effet. Zach. Chut. C'est nous. Ah.
Alors, Cloud, ça donne quoi? Les manteaux noirs ont été réunis en deuxième classe. Il n'y a aucun signe de la Shinra. On peut enlever nos déguisements maintenant. D'accord. Alors, pour finir, garde à vous. Ce fut un honneur. Au fait, Rufus t'a proposé un marché, pas vrai? L'intervention de la gamine Shinobi a tout fait tomber à l'eau, mais honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Peu importe qui la préside, la Shinra reste la Shinra. Je veux pas négocier avec eux. Chers passagers, bienvenue à bord du Shinra 8. Ici Titov, votre capitaine. Notre croisière vers Costa del Sol se passe bien, et nous devrions arriver à l'heure prévue. Nous sommes ravis de vous avoir à bord, et vous souhaitons à tous un excellent voyage. À ce propos, si vous souhaitez vous divertir, sachez qu'un tournoi de Queen's Blood va bientôt commencer. Nos passagers désireux d'y participer pourront s'y inscrire dans le salon. Nous espérons vous y voir nombreux. Vous avez entendu? Il y a un tournoi de Queen's Blood. Allez. Hop. On va remonter. Cabine deuxième classe. Eh bien écoutez les amis, c'est ici qu'on va conclure cet épisode. On est au début du cinquième chapitre et on prend la direction de la Costa del Sol. Je ne connais pas cet endroit, à moins que je crois me souvenir d'une petite scène dans Crisis Core qui se passe là-bas. Je crois que c'est un endroit un petit peu de vacances en gros, où les gens vont se reposer et on va faire le chemin sur ce magnifique bateau. Le chapitre s'appelle quand même Croisière sanglante, donc je pense qu'il va y avoir de l'action et qu'on va pas seulement se prélasser. En tout cas, j'ai adoré dans cet épisode être dans la peau d'un capitaine de la Shinra, composer comme ça notre infanterie à Junon. Ça m'a rappelé plein de souvenirs parce que on va à Junon dans Crisis Core, mais avec Zack Fair, le premier amour justement d'Aeris, et le voir comme ça en mode remake, rebirth, c'était juste sublime. Je suis assez d'accord avec Barrett du fait qu'on n'a pas forcément à négocier avec la Shinra, c'est pour le mieux je pense. Un petit peu déçu que Yuffie nous accompagne pas encore, mais je suis sûr qu'on la reverra. En tout cas, c'était un plaisir de la voir et j'ai vraiment aimé surtout le combat final contre Roche qui commence, j'avoue, j'ai... Voilà, je l'apprécie un petit peu plus que dans le remake, là je l'ai trouvé vraiment honorable on va dire à la fin de cet épisode. Donc c'était vraiment cool, merci de l'avoir visionné, on se retrouve très bientôt pour la suite. Restez connectés, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis bonne soirée.